Salut mes très chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir des méthodes qui vont permettre d'être totalement invisible sur WhatsApp. Ok, donc vous aurez la possibilité de lire les messages vocaux, les messages vidéo et les photos sans être vus en ligne sur WhatsApp. Vous serez toujours invisible sur WhatsApp. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. Aimez la vidéo, partagez-la à tous vos proches sur WhatsApp, Facebook et bien d'autres réseaux sociaux. Et si vous êtes là pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, appuyer sur toutes pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Ok, pour ce faire, nous allons utiliser une application. Je mettrai le lien de l'application dans la description de la vidéo ou encore au commentaire épinglé. Ok, donc une fois vous allez cliquer sur les liens. Ok, une fois vous avez cliqué les liens, vous serez dirigé vers cette page. Ok, et puis là, vous aurez besoin d'appuyer sur Download. Appuyez là. Et puis là, vous appuyez sur télécharge. Une fois l'application téléchargée, vous aurez besoin d'appuyer sur l'application comme ça. Et puis là, vous l'installez. Ok, vous appuyez sur installer. Vous installez l'application. Vous appuyez là. Et puis là, vous appuyez sur installer. Vous installez l'application. Après avoir installé l'application, vous appuyez sur ouvrir. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton ouvrir, l'application sera comme ça. Ça, c'est l'accueil de l'application. Ensuite, là, vous aurez besoin d'appuyer sur accepter et continuer. Et puis là, vous mettez votre numéro de téléphone. Ok, le numéro auquel vous voulez utiliser WhatsApp. Vous appuyez sur suivant. Et puis là, vous appuyez sur OK. Et puis là, vous appuyez sur Continuer. Autoriser. Une fois, ça sera comme ça. Et puis là, vous appuyez sur Continuer encore. Autoriser. Et puis là, si vous voulez, si vous avez un compte auquel vous avez sauvegardé vos discussions, vous pouvez appuyer sur Autoriser pour aller choisir l'adresse email auquel vous avez sauvegardé vos discussions sur l'autre WhatsApp. Mais là, moi, j'en ai pas, donc j'appuie sur ignorer. Et puis là, vous mettez votre nom. Et puis là, vous appuyez sur suivant. Et une fois l'accueil de l'application, ça sera comme ça. Ça, c'est l'accueil de l'application. Ensuite, pour lire les messages sans être vu, vous aurez besoin de cliquer sur les trois points là. Ok. Et puis là, vous venez sur GB Setting. Et puis là, vous appuyez sur Privacy and Security. Et puis là, vous appuyez, là, vous cochez. Vous cochez là. Et puis là, vous appuyez sur Contact. Vous cochez, vous cochez, vous cochez. Vous cochez. Vous cochez. Vous cochez. Et puis vous appuyez sur OK. Donc, vous cochez là. Et puis vous cochez sur Contact. Vous faites retour arrière. Et supposons que ça c'est le téléphone de mon ami qui va m'écrire salut. Attendez, il va m'écrire salut ici. Ok, j'ai reçu le message. Comme vous voyez, j'ai reçu le message. Je clique. Quand je lis le message ici, il n'y a aucun signe. Ok, et puis là, quand tu l'envoies encore un message vocal comme ça, il envoie. Je télécharge, je lis le message ici. Il n'y a toujours pas de signe, donc je suis toujours invisible. Et puis quand tu l'envoies encore une photo. Comme ça, je lis la photo, il n'y a toujours pas de signe, comme vous le voyez. Avec les vidéos aussi, c'est la même chose. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater l'une de mes prochaines vidéos.